Hi, it is I, Repti, and welcome to this new video. Encore une vidéo français, puisque c'est la partie 2 de Fallen Kingdom. Donc si vous n'avez pas été la voir, regardez le premier épisode. Ils ont trouvé les trucs. Il va vraiment falloir qu'on y aille. Ouais. Attends, parce que là j'ai un petit problème là en fait. Pourquoi? Le minecart ne veut pas marcher. Ah. En vrai, toi mec, va... Va falloir que tu ailles. Ouais, il va falloir que tu ailles. Bah, en fait, non, on n'avait pas besoin de briquet parce que, en fait, faut un briquet pour l'allumer. Oh. Oh, c'est la merde. Alors, c'est quoi déjà de la nether brick? De la nether soul? Enfin, de la soul sand? Et un bloc de quartz. Oh là, j'ai de quoi faire le bloc de quartz. Pourquoi ça veut pas? Ça me saoule. Oh mec, j'ai trouvé le stuff de Baka. Ah ouais? Ouais. Ah, il avait brûlé. Non, il a fait une chute. Mathieu? Oui? J'ai récupéré le stuff d'Anthony dans le Nether et sur lui il avait une Nether brick. Je peux rentrer à la base, j'ai réussi le défi. Oui. Alors si tu as tout volé ou non, on s'en fout. Tant que tu as tout. C'est bon. Très bien. Voilà. Bah j'ai tout. Ah bah si tu as tout, tu as tout. Point. Il n'y a pas de règle à propos de ça quoi. Alors on a une Nether rack, on a la brique du Nether, on a le bloc de quartz et on a la soul sand. C'est tout ce qu'il faut. Yep. Vraiment protéger le. Oh sa mère. Ça fonctionne? Non. J'ai fait un truc, ça. T'as pas entendu le bruit que ça fait? Ici. Regarde. Ok, parfait. Ok, mec, la salle des coffres est officiellement terminée. Vas-y, hop, vas-y, fais dans le coin. Voilà, quand tu vois que le truc a dépassé le mur, mets-toi à la torche, l'emplacement de la torche. Vas-y. Oui, bouge. Vas-y, c'est bon, tire. Et voilà. Super. Mais attends, mais pourquoi t'as pas été placer les blocs? Je vais aller les placer. Ah, faut placer les blocs? Oui, faut pas juste les avoir. Ah, ok, moi je pensais. J'avais pas compris ça. Alors, équipe bleue. Je vais garder ma hache dans la main au cas où. Vas-y, donc Nether Brick, Quartz et Soul Sand. Voilà. On peut les attaquer. Mec, ils ont fait. Attends, c'est notre base. Ouais, non. Je croyais être vers. Mec, je croyais être vers l'équipe des rouges. Et je vois de l'eau, je vois des tables de crash, mais attends, mais ils ont fait pareil que nous, les bâtards. Que ça donne pas. Oh putain. Flav va dormir dans le coffre. Enfin, va dormir dans le. Ouais, génial. J'adore, moi, ma vie. Hein. Je dors dans un coffre. Ouais, reviens, Flav, reviens. Attends, j'ai pas encore la clé. La clé, la quoi? C'était référence. Si, elle était trop bien. Oh, merci putain. Mathieu. Je pense qu'on va pouvoir se faire tous les deux plastron et épée. Les épées elles sont déjà prêtes. Ah bah nice. Il y en a déjà deux de prêtes dans le coffre si on crève. Ok, pas mal.
J'ai deux poutres de creep d'ailleurs. Ah super, bah donne. Il y a de la bouffe dans le coffre. Il y a de la bouffe dans les fours. La TNT est dans le premier coffre. Ok mec, je vais te faire un plaçon en diams. Non, pas besoin, t'inquiète pour l'instant. Si, on sait jamais, le 9 arrive bientôt. Faut qu'on ait de quoi se protéger. Hein. Tiens. On sait jamais. Père. Bah au pire, tu sais quoi ? Quoi ? Tout ça, là, je vais aller le mettre dans le coffre à l'étage. Vas-y. Je vais aller taper du creeper au sous-sol. Vas-y. Je vous fais deux casques, hein. Un casque chacun, viens. Attends, ouais. Attends-moi, hop. Tiens, un petit casque. Ah. Super. Attends une seconde. Attends, comment ça marche déjà? Et j'ai récupéré de la lave, là j'ai un seau d'eau. Te rejoins. Vas-y. Parce que là j'ai de quoi. Protège-moi parce que ça prend du temps. Bon, déjà on a deux d'obsidienne là. Ok. Attends, est-ce qu'ils ont déjà eu du diams ou pas? C'est pas. Oh, t'es dangereux toi! Qu'est-ce que j'ai fait? T'as posé une source d'eau, j'ai failli aller dans la lave! Mais non! Quoi? Bah, c'était quoi la source d'eau? C'était pour éteindre ça, c'est tout? What the fuck? T'as les 4 obsidiennes? J'en ai 2. Attention, bouge-toi, y'a un creeper. Je m'en occupe. J'avais dit quoi, je m'en occupe? Ouais, mais moi aussi, je veux combattre! À la limite, ici on peut poser une. Putain, il pleut. Merde, qu'est-ce que je voulais prendre? Bah, que pour vous essayer de croiser. Bah, merde, non, il m'en manque une deuxième, putain. Je peux pas créer de deuxième merde. Bon. Moi, je vais repartir. Je vais aller buter du creeper. Vas-y. Mais je t'ai pas fait trop de dégâts, on te. Non, en vrai, non, même pas. Eh ben, attends. Je vais enchanter mon épée en jams. On a du lapis, j'ai 5 niveaux, yep, c'est yep. Bon. Oh mec, un petit sharpness. Ah yes. Tac, avec le fer on fait des dernières épées, et puis c'est bon. Pire, attends. J'en ai déjà 23 de diams. Putain, il nous en faut 22, c'est ça? Oui. On a déjà tout ce qu'il faut pour être full diams là. Putain, y'a une witch. J'ai presque un stack, hein, mec, de diams, je vais remonter, ça sert à rien. Ok, bah on remonte. Putain, il y a creeper quand on veut pas, il y en a, mais quand on a besoin, va te faire foutre. Tellement. Je suis où? Alors, j'ai un petit problème. Quoi? Je suis au beau milieu de l'océan. Quoi? Ouais. Tu peux écrire Yami. Tu peux demander à Yami de venir vocal, s'il te plaît. Je suis vraiment en plein milieu de l'océan. What? Je vois une petite île là-bas. T'as enchanté et tout? Bah là j'enchante les leggings, mais j'ai un stuff en diams en plus de rechange. Oh putain. Regarde-moi ça. Oh. Oui. Oh, merde, je suis chez eux là. Toi, je vais leur faire un petit coucou. Fais pas le con, Flav. T'es caté. Ok, il est full fer. Quoi, pardon, ils sont full fer? Ouais. On est dans la merde, mec. En vrai, j'ai envie de trouver un creeper et puis de le faire exploser près de leur, sur la muraille. Oh oui! Leur muraille, elle est comment? Elle est basique. C'est-à-dire? Oh, y'a du sable derrière! Oh, elle est nulle! Attends! Il a une épée en diams! Là, il m'a vu full diams, mec! Il
m'avait full diams, le pauvre. Et mon dieu, y'a un ennemi! Y'a un ennemi! Arrête tes conneries. Creeper. Oh man. Mathieu. Wouh! Oh bah j'ai failli mourir. J'en ai deux. En fait, j'arrête de me les faire à l'épée, moi, perso. Ah ouais? Moi j'ai combien de flèches? J'ai que deux flèches. Mais il a des pops devant moi, le bâtard. Oh regarde, là-bas, y'a du diams. Y'a du diams partout. Comment ça se fait qu'ils sont pas full diams, eux? On en a 4, hein, de TNT, là. J'en ai 7, je t'en donne 4. Oh, t'aurais pu en prendre 3, si tu veux. Non, je préfère que tu te fasses confiance sur ça. Je te suis. Vas-y, viens, on va passer par là. Attends, tu vas beaucoup trop vite. C'est toi qui es lent. Sûrement. Ils sont là-bas, regarde, on peut voir le top de leur truc. Mais toi en sneak. Yep. Attends-moi, ouais, j'arrive. Go, on est encore assez loin, ils vont pas voir nos pseudos. Mets-toi en sneak là. Je te vois non, plus. Non, mais vas-y, continue. Et maintenant, sneak maintenant. Ok, attention, n'y va pas. Il y en a un qui est en repérage là. Il est en sneak en train de repérer, il a un casque en or. Je pense que c'est Sifel. T'as Optifine ? Yep. Ok, il se casse. Il s'est cassé. Oh là là. Putain, on est des serpents. Ah ouais, là, totalement. Serpents solides et serpents liquides. Des épisodes après comme ça, serpents solides et serpents liquides. T'es prêt ? On va courir. Dès que je te dis sneak. Attends, non, dès que je te dis sneak, tu sneak, ok? 3, 2, 1, go. Sneak. Go. Sneak. C'est bon. Gad, viens, on va attaquer là. C'est là où j'ai fait péter le creeper. Ok. Ils ont mal réparé, les cons. Maintenant. Pince. Putain. Vas-y, remets. Putain. Non, c'est bon. On en a plus que 3. On a plus que... Et ça lag. Ils ont de la TNT. Mais putain, Stéphane, il prend pas de coups. Il doit bloquer. Couvre-moi, il faut que je... Ouais, c'est bizarre. Vas-y, viens, on va dans les coffres, on va dans... Oh, yes. Prends l'épée. Faut surtout pas leur laisser d'épée ou d'armure. Vas-y, viens, on descend. Bouffe si t'as besoin de bouffer. Hein. Est-ce que ça lag pour vous ? Un peu, ouais. Mais attends, mais... Ici repose la recette secrète du pastis. Quoi ? On a trouvé leur salle ? On a trouvé leur salle, mec ? Viens,
Siphène, descends les escaliers vite, viens, viens. Geki, viens. Il faut rester 30... Ouais. Il faut la faire péter ou pas? Non, faut juste attendre 30 secondes. Bon, pff, c'est bon, on a gagné quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends, 10, on doit vraiment la faire péter? 11, 12, 13. <C'est> Regardez, je t'ai perdu. Regardez l'architecture qu'on a fait à l'extérieur. Ouais, regardez aussi l'intérieur de la muraille. Mais qu'est-ce mec, que c'est mais ils étaient dans le futur. Ouais, mais là, du coup, c'était impossible de pouvoir mettre de la TNT. Non, oui. Si, il y a une faille. C'est galère. C'est très galère. Tu montes dans l'œil, tu poses au-dessus de l'établi, mais il faut maintenir shift espace. Regardez le petit coffre, tout ce qui nous restait en stuff. Oh là là. Nous, les diamants, c'est simple. Flav, il est parti en chercher. Il me fait Flo, ouais, j'en ai 30. Quoi? Trouvez la salle des coffres. Non, mais elle est en sous-sol, on est d'accord. Ouais. Et le mec est invisible et. Je vais jamais la trouver en vrai. Non mais vas-y, en vrai, montrez-la nous, en vrai. Non mais le but c'est que vous cherchez un peu. Ouais, en vrai, elle est absolument insane comme celle des coffres, jamais. Vous voyez, je mets mon truc là, hop, et puis ensuite, voilà. Mais c'est quoi ces conneries? Regardez. Il y a un minecart derrière. Il y a ouais. Un minecart derrière, en fait on le tire avec la canne à pêche. 9 blocs de la surface, eux ils sont à 15. Donc c'est équilibré hein. Eh Flavien, deuxième partie qu'on est ensemble, deuxième partie qu'on gagne. Putain. Putain. Allez venez, on va faire crash le serveur. Bah au château. Il est là-bas. En fait toi. Qu'est-ce que faites pas péter le truc. Non mais par contre ils étaient à des années-lumière de notre technologie. Ouais en vrai oui. Et en vrai c'était ridicule parce que eux ils avaient déjà la forteresse que vous voyez là, vous avez même pas un seul mur. Non mais par contre, ça a tenu hein. Par contre, j'étais en train de sneak avec Flavien et quand Flavien m'a dit « Y'a Stifel là-haut, il a un casque en or », j'ai pouffé de rire. Regardez. N'activez rien, je vous avertis. Bah Mathieu. Bah j'ai rien fait moi. C'est qui le connard là? C'est Mathieu. C'est Mathieu. Oui, vous. Allez, on dit au revoir. Non mais que... Au revoir. Et c'est ainsi que s'achève ce Fallen Kingdom, une victoire de l'équipe bleue, Geki et Repti, une victoire extrêmement facile, il n'y avait même pas de challenge, ils n'ont même pas essayé de se défendre, ils sont juste morts à l'infini. J'espère que vous avez aimé cette petite série, je compte bien en refaire, je ne sais pas si le YouTube américain avait l'habitude de ce concept, le Fallen Kingdom, mais si ce n'est pas le cas, bah j'espère que ça vous a plu pour ceux qui ne sont pas français. Pour ceux qui sont français, je vous invite à aller voir les chaînes de Stifel, Baka et Geki, pour aller voir aussi leur point de vue. C'est très important puisque l'équipe de Stifel était entièrement perdue pendant toute la saison. So that's it! If you like the video, don't forget to like and also to subscribe to my channel. And see you in the next video, bye!